Waouh! Bonjour les frères et sœurs, comment allez-vous? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant et partagez cette vidéo à vos amis préférés. Ah! Mes frères et sœurs, qu'est-ce qu'il y a? Cette histoire que nous allons vous raconter va vous aider, ça va nous aider à nous tous ici. Marchons un peu. Là, je sors. Il faut que je vous raconte ça rapidement. Chez nous, on dit chap chap. Il faut que je vous raconte ça chap chap. Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Nous sommes en famille. Un jour, je suis tombé sur une formation hors du commun. Qu'est-ce que c'est? Je vais tout vous dire. Une personne qui a commencé à être connue s'est retrouvée face à la justice. Et cette personne-là, c'est une femme. Ah! Pourquoi? C'est tout simplement parce que elle a volontairement transmis le virus au chat. Quel putain de virus? Le virus du sida, tout simplement. Un truc de ouf. Mais que s'est-il passé? Nous allons tout vous raconter. Nous sommes en famille. Ah! Elle est belle. Quand vous la voyez, vous ne pouvez même pas croire que le malade, en fait, qu'elle a le virus. Quand vous avez le virus du sida, souvent, vous pouvez même être gros. Oui, au départ, au commencement, quand ce n'est pas trop avancé, on ne peut même pas sentir cela sur vous. Les gens, quand vous voient, on dit « Oh, vous êtes joli, hein? Oh, vous êtes beau, oh, vous êtes belle !» Mais les gens ne sont pas informés de ce que vous avez comme maladie. Et elle, elle était dans un moment où elle brillait. En fait, elle savait bien chanter et elle a participé à une compétition. Et au cours de cette compétition-là, vraiment, elle a vraiment tellement bien brillé que elle s'est amassée les plus beaux garçons même de cet endroit. Vous savez, aujourd'hui, quand les gens organisent des compétitions où les gens doivent chanter, il y a certains candidats qui arrivent juste pour se faire voir, pour se faire remarquer à cause des filles. Parce qu'ils aiment bien les femmes, ils aiment bien ça. C'est comme les gens, ils vont à l'église. Quand vous les invitez, vous venez à l'église, ils sont là. Oh, est-ce qu'il y aura les femmes là-bas? Donc, du genre, eux viennent à l'église uniquement que lorsque on dit qu'il y aura la présence des filles. Un jour, tu as rencontré quelque chose, tu as même fui. Et c'était ce qui s'était passé. Les gens se sont laissés séduire par la femme. Et elle a eu sous son lit plusieurs garçons. On peut dire plus de 5 garçons. Mais le problème avec elle, c'est que elle était malade. Elle avait fait les diagnostics, les analyses. Et après les analyses, elle a découvert que elle avait le virus du sida. Ah! Dès qu'elle a découvert qu'elle avait le virus du sida, bon, on ne sait pas ce qui s'est passé dans sa tête. Peut-être qu'elle a pris cela à la légère. Peut-être qu'elle a pensé que c'était de la blague. Mais elle a continué sa vie de débauche. Vous savez, cette vie où les gens passent le temps à prendre plaisir au rapport sexuel. Voilà. Et elle, c'est ce qu'elle faisait. Et voici que, un jour, pendant qu'elle serait en plein concert, quelque chose de bizarre va se passer. Ce jour-là, elle devait prester. Elle devait montrer à tout le monde qu'elle est forte, qu'elle est extraordinaire. Et voici que la police va venir l'arrêter en plein concert. Maintenant là que la police l'a arrêtée, elle doit aller maintenant répondre de ses actes. Et elle va maintenant poser la question, mais de quoi m'accusez-vous? Et tenez-vous bien. La police va lui dire, t'inquiète, on va tout te donner comme information. En fait, c'est quelqu'un qui a porté plainte contre toi. Cette personne dit que tu lui as consciemment transmis le virus du sida. Et que c'est à cause de toi qu'elle est malade. Et cette personne-là, c'était un jeune homme, comme vous le nommez. Ah! Lui, il a reçu le virus du sida à cause de la fille. Quand il faisait les choses, il était content. Hein? Mais quand il a reçu le virus du sida, maintenant, il a commencé à se fâcher. Il a même porté plainte. Et maintenant, elle est devant la justice. Elle doit répondre de ses actes. La question qu'on lui a posée, c'est est-ce que tu étais au courant que tu avais le virus avant de coucher avec eux sans te protéger? Elle a regardé la situation.
quelle réponse va-t-elle donner? Si elle ment, elle est foutue. Si elle dit la vérité, on peut s'arranger. Mais il y a déjà 3 garçons qui ont reçu le virus. Elle sera contaminée 3 personnes en même temps. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? 3 personnes. Et les 3 personnes veulent justice, réclament justice. Est-ce que c'est toi qui as transmis le virus toi, aux gens là, aux jeunes gens? Elle est là, elle les regarde comme ça. Elle ne sait pas quelle réponse elle va donner. Mais si elle ment, ça risque d'être retourné contre elle-même. Vous connaissez ce qui se passe même à la justice, non? On dit que tout ce que vous direz sera retourné contre vous. Tu es là comme ça. Bouche bée, tu fermes ta bouche. Tu ne dis rien. Parce que tout ce que tu vas dire, ça risque d'être utilisé contre toi. Mais si elle avait l'autorisation de parler, selon vous, quelle réponse va-t-elle donner? Quelle réponse va-t-elle donner? Elle est obligée de dire oui. Effectivement, j'étais au courant que j'avais le virus du sida. Mais par négligence, je suis allé encore avec ces jeunes garçons. Et malheureusement, ils ont reçu le virus du sida. Vous voyez maintenant les jeunes, maintenant tu dis, oh, je suis foutu. Ah, tu es foutu. La vie, c'est ça. Oh. C'est pourquoi Dieu nous donne un vrai conseil. Dieu nous dit d'éviter la vie des débauches dans toutes ses dimensions, dans toutes ses directions. Le rapport sexuel hors mariage, là, évitez ça beaucoup. Ça va vous sauver la vie un jour. Si les gens obéissent à la voix de Dieu, vraiment, ça va régler beaucoup de problèmes dans leur vie. C'est juste ça. C'est juste ça. Et vous devez me croire. C'est pas de la blague. Maintenant que elle a contaminé les gens là et qu'elle est accusée, elle va maintenant répondre de ses actes. Et ils vont lui dire, ils vont la condamner pour ça. Pour ça. Or, elle venait maintenant de démarrer une carrière et les gens l'aimaient. Les gens l'appréciaient. Mais la manière dont les policiers l'ont attrapé le jour du concert, ça a amené tous les journalistes à se poser des questions là-dessus. Donc imaginez la suite. Cette histoire a fait le buzz. Peut-être que vous êtes au courant, vous êtes déjà informé de cette affaire, vous êtes déjà au courant de cette histoire. Dites-moi le nom de la personne. Non. Ne dites pas le nom de sa mère, de cette femme. Parce que après, elle a confessé qu'elle regrettait d'avoir fait ça. Elle dit qu'elle regrette. Vraiment, elle regrette. C'est l'erreur de sa vie. Tout le monde peut commettre des erreurs. Mais toi, mon frère, si nous faisons cette vidéo que tu entends et que tu nous écoutes bien, s'il te plaît, laisse affaire va te laisser. Ne transmets pas le virus aux enfants des gens. Pardon. Pardon. On peut s'arranger. Parce qu'il y a des personnes qui sont tellement mauvaises que vous ne pouvez pas vous imaginer. En tant que c'est vous-même qui avez transmis le virus, dès qu'elles ont le virus en même temps, elles veulent donner ça à tout le monde. Elles veulent partager. Tu as partagé ça à tout le monde, quoi. Tu es devenu chargeur universel. C'est pourquoi il faut faire très attention. Les couples, si tu as rencontré un homme, ma soeur, si tu as rencontré un homme, il dit qu'il t'aime, tout ça, il n'est pas à t'épouser. Dans vos plans là, mettez aussi cette affaire de tests de dépistage là dedans, hein. On ne sait jamais. Ou bien, il faut connaître les statuts astrologiques de chaque personne. C'est très très important. C'est très très important. Et les femmes qui sont exposées à ce qu'on appelle la prostitution, là, comment on fait par rapport à elles? Elles sont beaucoup exposées, les enfants des gens. Beaucoup beaucoup exposées. Tout le monde les rend visite. Imaginez la suite. C'est un vieux métier, hein, ce truc-là. C'est un vieux métier. Que Dieu les aide à abandonner ce vieux métier, parce que c'est même vieux. Que Dieu nous aide à ne pas tomber tout pareil. Et il y a beaucoup de filles aussi qui se disent que non, elles ne sont pas dans la prostitution, elles ne sont pas dans la même catégorie. Il ne faudrait pas qu'on les classe dans cette catégorie. Or, elles ont 2 gars, 3 gars. Même le pasteur. Elle est de ces gars. Qu'est-ce qu'on vous a fait? Ma soeur, t'as fait quoi? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Faites attention à votre vie. Hein.
Le sexe vraiment est un gros problème. Et je vous dis en même temps qu'à un moment, un jour, on a reçu une révélation d'une personne qui disait que le virus du sida, là, ce n'est pas une chose que Dieu a créée. En fait, ce sont des trucs des démons, quoi. Ce sont des démons qui ont envoyé cette maladie-là pour tuer rapidement les gens qui aiment les rapports sexuels. Ah! C'est-à-dire les rapports sexuels hors mariage. Si toi, tu es marié et puis tu aimes les rapports sexuels, si tu veux, il faut dormir dedans. C'est pour toi. Mais c'est pour créer le problème aux gens qui ne sont pas mariés. Qu'en pensez-vous? Laissez la partie commentaire, dites-moi si vous pensez que nous avons bien fait cette vidéo. Cliquez tout sur j'aime et partagez-la. C'est parti. Abonnez-vous aussi. Let's go.